SRO. SRO, so you have a range clear launch. Four. Bonjour chers voyageurs, vous êtes passionné de grands espaces et de liberté, alors vous n'êtes très certainement pas passé à côté de l'un des jeux les plus attendus de cette année. J'ai nommé Starfield. Aujourd'hui, je vous présente 5 jeux en attendant celui-ci. Je vous rappelle que la prochaine licence de Bethesda est prévue pour le 6 septembre prochain, et je vous dis pas que vous allez finir les 5 jeux dont je vous parle dans cette vidéo, mais c'est un bon moyen d'attendre tout en s'amusant. Les gars les filles, vous le savez, on est sur de la grosse prod sur cette chaîne. Je suis pas tout seul, on est toute une régie, Jean-Jean aux lumières, Didier à la caméra, Zazette au son, merci tout le monde, merci. Oui, ça fait quelques mois que je les paye pas en ce moment. Et donc, c'est Léon Bette, aujourd'hui, qui nous accompagne dans ce projet. Un grand merci à eux. Ça fait 3 mois que je ne verse plus un seul salaire à Jean-Jean. Il commence à faire la gueule. C'est... Oui, ça arrive, mon Jean-Jean. Ça arrive. Non, toi, pousse pas le bouchon, Zazette. Hein. Oh, hey, on verra ça le mois prochain. Occupe-toi de mixer le son déjà. Et fais-le bien. Vous êtes un fin connaisseur en paris sportif, vous aimez les casinos en ligne, et bien ça ne pouvait pas mieux tomber puisque Léon Bette possède plus de 4000 machines à sous. Ils ont tout simplement les meilleurs jeux de casino en direct. La roulette, le blackjack, le poker, le baccarat et moult autres. Ils sont dans le game depuis 2007 et donc sûr qu'ils s'y connaissent en matière de casino en ligne, événement paris sportif. Cerise sur le gâteau, vous pouvez même parier sur des matchs e-sport, avis aux gamers. Des paiements en toute transparence et rapide avec des retraits dans la devise de votre choix. Utilisez votre moyen de paiement préféré et sécurisé tels que Visa, Mastercard et bien d'autres encore. Que vous soyez plus foot, tennis ou bien même un autre sport, soutenez votre équipe favorite. Et surtout, ne vous trompez pas. Et bien à vos paris, si tout cela vous intéresse, bénéficiez d'un bonus spécial en passant par mon lien dans la description, également en commentaire épinglé. Merci beaucoup à Léon Bette d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et moi, je file parier pour Djokovic au prochain Roland-Garros. Ouais, faut pas déconner, on sait déjà qui va gagner. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je parierai pas sur le fait que vous aurez le temps de finir No Man's Sky d'ici là que Starfield se montre. C'est le premier jeu dont nous allons parler, le jeu qui pour moi se rapproche le plus de Starfield, qui je pense s'en sont grandement inspirés, et ce n'est pas un mal, bien au contraire, faut vraiment arrêter de crier au plagiat sur tout et n'importe quoi. Si un jeu fonctionne bien, que ses mécaniques de gameplay ont été approuvées par toute une communauté, pourquoi ne pas s'en inspirer? Dans No Man's Sky, vous êtes un voyageur de l'espace en quête de vérité. Vous recevez un appel à bord de votre vaisseau, une mystérieuse personne vous parle. Les interférences rendent le message difficilement compréhensible, vous pouvez vous identifier ou bien garder le silence. Il vous accuse de l'avoir laissé, abandonné, sans pour autant que vous compreniez pourquoi. La communication coupe, vous recevez les coordonnées d'un vaisseau écrasé, dont la boîte noire ne contient que le nom du pilote, Artemis. Votre quête commence ainsi et vous serez invité à explorer une multitude de systèmes solaires dans un gigantesque monde ouvert. 255 galaxies, 4,2 milliards de régions, 2,2 billions de systèmes stellaires, et ce chiffre de planètes que je n'ai pas envie d'énumérer parce qu'il est bien trop long. Je ne sais même pas comment faut le prononcer. En bref, beaucoup trop pour un seul et même joueur. Vous ne serez bien évidemment pas obligé de suivre la quête principale puisqu'on est là sur un énorme bac à sable. À vous d'écrire votre propre histoire, de faire votre aventure et vous fixer vos objectifs. Au programme, exploration, combats spatiaux, survie, construction et d'autres surprises vous attendent dans No Man's Sky. Il est disponible sur toutes les plateformes PC, PlayStation, Xbox et Nintendo Switch. Vous n'en avez pas assez? Alors pourquoi ne pas s'attaquer à Empyrion Galactic Survival? Ça a été mon jeu préféré en termes d'exploration spatiale. Tout comme No Man's Sky, nous sommes dans un gigantesque monde ouvert. Au programme exploration, survie, combats spatiaux, craft, beaucoup de craft, énormément de craft. En termes de survie et de craft, nous sommes beaucoup plus poussés qu'un No Man's Sky, qui lui s'adresserait plus à des néophytes selon moi. Empyrion Galactic Survival se verra beaucoup plus complexe dans tous ses aspects, en particulier sur la survie et le craft. En termes d'exploration, vous ne serez pas en reste, puisque c'est pas moins d'une centaine de milliers de planètes que vous allez pouvoir explorer. On ne sait pas combien exactement, mais à quoi bon, tout comme No Man's Sky, vous n'en ferez très certainement jamais le tour. Les systèmes solaires et planètes se génèrent de façon procédurale totalement aléatoire. Vous pouvez rejoindre des serveurs, jouer en multijoueur, PVP ou bien PVE comme bon vous semble. Vous pourrez également faire votre aventure en solo si vous souhaitez découvrir tranquillement. Un petit peu à la manière d'un Minecraft, vous allez pouvoir construire des véhicules bloc par bloc. Faites de votre vaisseau votre base, vous pourrez y faire de l'agriculture et tellement de choses encore dont je vous réserve les surprises. Empyrion Galactic Survival est paru le 5 août 2015 et cela fait maintenant 8 ans que les devs prennent soin de leur bébé. Constamment mis à jour, à l'écoute de leur communauté, et en tant que joueur du jeu, je peux vous assurer qu'ils sont partis de
très très loin. J'ai joué à Imperium Galactic Survival depuis le début de parution du jeu et le chemin parcouru est juste phénoménal. Encore une fois, nous sommes sur un énorme bac à sable dont vous n'êtes pas prêt de voir la fin. Un bon gros aspect RPG vient englober tout ça pour notre plus grand plaisir. Le jeu a énormément évolué en termes de graphisme ces 8 dernières années, donc prévoyez tout de même une machine assez conséquente en termes de performance pour pouvoir en profiter. Imperium Galactic Survival est disponible uniquement sur PC à ce jour. Ok, je vois que vous en avez pas assez, et bien vous devriez vous attaquer à Star Citizen, certainement l'une des plus grosses ambitions de cette décennie, peut-être un peu trop. Star Citizen, une légende certains diront, un mythe pour d'autres, le jeu est en développement depuis 10 ans maintenant, puisque celui-ci a débuté en 2013. Développé par Cloud Imperium Game, CIG, un groupe fondé par Chris Robert, celui-ci a pour projet de développer la plus grosse simulation spatiale de tous les temps. Le plus gros jeu. Là, on peut clairement dire qu'on est sur le jeu de qui a la plus grosse. Et après 10 ans de développement, bah pour l'instant, c'est pas lui. Star Citizen est un peu considéré comme un ovni dans le monde du jeu vidéo. La plus grosse campagne participative. Coucou ceux qui ont acheté des vaisseaux à 15 000 euros. Non, je vous assure, il y a zéro blague là-dedans. Il y a vraiment des gens qui ont acheté des vaisseaux à 15 000 euros. Ah non, dans le jeu, il n'y a rien de livré chez toi, hein, évidemment. Star Citizen, c'est celui qui veut faire comme No Man's Sky, Imperium Galactic, Starfield, mais en plus grand. Beaucoup plus grand. Toujours plus grand, toujours plus haut, toujours plus fort. Tiens, ça me rappelle quelque chose. C'est moi ou j'entends des mouettes? À l'heure actuelle, nous sommes un peu dans le flou avec Star Citizen. On ne sait pas réellement quand le jeu verra sa version finale. On ne sait pas s'il sortira réellement un jour. Aujourd'hui, le jeu est jouable. Vous n'avez pas de réel but pour le moment, c'est un jeu type bac à sable dans lequel, une fois n'est pas coutume, comme les deux précédents, nous allons visiter des planètes, des villes, exploration, combats spatiaux, programmes, marchandage. Ce sera à vous de créer votre propre aventure, vous fixer vos objectifs et vous forger votre histoire. Star Citizen est disponible uniquement sur PC à l'heure actuelle. Et comment parler d'exploration spatiale sans citer Space Engineer? Avec celui-ci, on va vraiment se rapprocher d'un Imperium Galactic Survival dans son aspect survie craft. On est une fois de plus sur un jeu type bac à sable dans lequel la survie, l'exploration, la construction et l'ingénierie seront au rendez-vous. En gros, vous êtes un voyageur de l'espace, vous allez pouvoir construire des vaisseaux spatiaux, des stations spatiales, des rovers, des drones, des mecs, des bases d'astéroïdes et des avant-postes planète Terre. Rien que ça. Vous piloterez votre vaisseau pour partir à la conquête de l'espace, vous voyagerez à travers le système solaire pour découvrir différentes planètes et rassembler des ressources pour survivre. Le jeu peut être joué en solo ou bien multijoueur, en mode créatif ou survie, et cette fois-ci, il y en a pour tout le monde, puisque cette année, le 11 mai 2023, nous avons pu le voir débarquer sur nos consoles de salon PlayStation et Xbox. De quoi encore élargir sa communauté qui est déjà bien établie sur PC. On pourrait également citer Everspace 2, premier du nom sorti en 2017. C'est le 18 janvier 2023 que la suite de cet open world débarque. Je l'ai mis en dernier sur la liste, on reste quand même dans un univers d'exploration spatiale avec un grand monde ouvert, mais cette fois-ci, vous ne descendrez jamais de votre vaisseau. Dans Everspace 2, on va plus se concentrer sur l'aspect shooter des combats spatiaux. L'exploration ne sera tout de même pas mise de côté puisqu'il vous faudra parcourir ce vaste monde en quête de butin, trésor, afin de toujours améliorer votre équipement. Vous y rencontrerez des races extraterrestres, vous devrez résoudre des mystères, une aventure épique vous attend dans Everspace 2. Dites-moi dans les commentaires quel jeu vous attendez le plus pour cette année, quel jeu vous allez faire en attendant Starfield, quel jeu vous êtes en train de faire en attendant Starfield. Ça se trouve complètement à côté de la plaque, vous n'êtes pas sur un jeu en monde ouvert dans l'espace. Eh ben oui, il y en a qui jouent à Animal Crossing en attendant Starfield, rien à voir, mais il est excellent, j'adore Animal Crossing. Eh bien voilà, n'oubliez pas le petit pouce bleu si vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater. Encore merci à LeonBet d'avoir sponsorisé la vidéo. Je vous mettrai le lien dans la description ainsi que dans le commentaire épinglé. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures dans l'espace ou ailleurs. Ciao tout le monde !